tu t'appelles? Thomas. Thomas. Donc tu es là pour quoi? Pour un stage. Voilà. Pour un stage. Oui. Parce qu'on a le projet d'habiter ensemble. On a? Le projet d'habiter ensemble. Ah, tous les deux. Oui. C'est depuis quand tous les deux? Moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans hein, qu'on est ensemble. Mais on se connaît depuis longtemps. Et les parents sont au courant? Oui. Ah ouais? T'as quel âge là? Bientôt 27 ans. Et à la fin du mois. À la fin du mois. Et Jennifer? Tu veux la blouse? C'est beau l'amour. Oui. Ah ouais? Oui. Et là donc, pendant votre stage là, donc vous habitez dans deux chambres différentes? Non, ou bien dans, non. Dans la même chambre. D'accord. Voilà. Ah, c'est délicieux. Mais je vais revenir, on va faire une vidéo spéciale pour ça. Ah, la clé du jeu, elle va être claire. Vous êtes d'accord? Ah, vous êtes d'accord? Oui. Hein? D'accord, super. On va parler de vous deux. Hein? Oui. Ouais, super, j'adore. Yes. Ouais, je vais parler à Martine Villedieu. Ok, je vais revenir. Vous êtes là tout le temps? Jusqu'au 30 novembre. Dites-moi, combien de fois vous vous dites je t'aime alors? Oh. Souvent? Beaucoup. Et qu'est-ce qu'il est dit souvent? C'est Thomas ou c'est Jennifer? Le plus souvent? C'est moi. Ah, d'accord. Mais elle me le dit aussi. Elle te le dit aussi. Oui. Et ça fait plaisir. C'est moi qui fais le premier pas. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait le premier pas? Comment tu as déclenché? C'est pas lui qui a fait le premier pas. Allez. Dans notre ça se passe. Oui. C'est pas lui. Dans notre relation. Ouais. C'est pas moi qui a fait le premier pas. C'est pas lui. C'est pourquoi, elle. Pourquoi t'as pas osé? Parce que j'étais timide. Oh. Ah ouais. D'accord. Et toi, tu veux plus attendre que... Hein? Non, en fait... parce que comme on mangeait pas au même étage... Niveau étage, c'est bref. Mais moi j'étais au troisième et lui au deuxième. Et c'est l'intermédiaire de mes amis qu'elle a appris qu'il y avait des sentiments. Donc à la pause de midi, une heure, parce que pendant 10 minutes, on a une pause. Mm-hmm. Il est descendu. Il est posé. T'as pas dit quelque chose à me dire, par exemple? Voilà. Et c'est après qu'il a avoué? Ah oui. C'est après. Mais il fallait que. Voilà. C'était dur. À l'époque, j'étais timide. Oui. Et toi, Jennifer, t'as répondu tout de suite? Hein? Ouais. Tout de suite. D'accord. Parce que tu l'aimes ou tu l'aimes aussi? Mais. Oui, un peu de sentiment. Là, j'en ai plus, mais à l'époque, j'avais été un tout petit peu. Mais. Ah oui, parce que vous étiez déjà amis avant. Donc, vous connaissez déjà assez. Oui. Pour faire confiance l'un à l'autre, c'est ça? Vous voulez vous faire la bise un peu là? Vous avez honte? Non. Quand même, Jennifer. Mmh. Ah, c'est pas vrai, Jennifer. Ah, d'accord. Bon, j'ai rien dit alors. Je peux pas sur... Oui, pas devant le public. C'est... Ah bon? Ok, bon.
Mais t'es pas fâché contre moi, hein? Non. J'ai dit ça. Est-ce que vous êtes des résidents du Fouet Bourguerel? Non. Ouais, c'est-à-dire? On est en stage. En stage. Stage de quoi? En effet. Parce qu'on veut vivre ensemble. Est-ce que la famille est déjà au courant? Oui. Donc c'est officiel, hein? Oui. Donc vous n'allez pas avoir peur si on voit la vidéo? Si la famille voit la vidéo? Non. Donc là, on a mis deux lits. Ah ouais? On a rapproché. Ah bon? Vous vous rapprochez? Bah, les lits sont rapprochés. Parce que c'est des lits individuels. Oui. Mais là, vous ne pouvez pas vous rapprocher, là. Ça va, on arrive. Hein? On arrive. Il arrive parce que moi, c'est plus compliqué dans le lit médicalisé. Okay. Dans le lit normal, c'est mieux pour moi. Pourquoi tu l'aimes? Déjà, j'arrive à m'exprimer. Essaie quand même. S'il te plaît. Bon, c'est Jennifer qui va répondre alors. Non. C'est difficile à répondre. Oui. Donc tu sais pas pourquoi tu l'aimes? Ben si. Parce que... Essaie un peu de partager, de nous le partager. J'ai trouvé chez Jennifer des qualités et des défauts. Bon, la qualité, voilà. Faut pas parler des défauts. Hein. Et de l'amour dans le cœur. Dans ton cœur, dans son cœur? Dans son cœur. Pour toi? Oui. Et pour moi aussi. Pour toi aussi. Voilà. Et puis avant, on était juste amis. Pendant longtemps? Attends. Quelle année je suis arrivée dans mon premier centre? Je veux pas raconter une bêtise. En 98, je crois. Non, je sais plus. Rigole. Non. En 98, j'avais 8 ans. Ah bon, en 91. Pourquoi tu aimes Thomas alors? À toi. Moi j'ai fini. Il est sympa, gentil. Pendant 10 ans, vous ne vous voyez que tous les week-ends. Non, pas tous les week-ends. Une fois par mois? Une fois par mois ou pendant les vacances? Et c'était pas trop dur? Si. Vous appelez au téléphone quand même? Oui. Dans la semaine? Oui. Et c'est pour cela que vous voulez vivre ensemble? Oui. Et aussi parce que. Moi, je vais avoir mon bilan des appartements parce qu'on a un bilan au bout de 3 ans. Et lui, il ne peut pas vivre en appartement parce qu'il a besoin de plus d'aide et aussi la sécurité. D'accord. Et en fait, on a choisi ce foyer parce que... Il y a le foyer là, plus 9 appartements à côté, des pavillons. À côté où? Du foyer. Pas très loin. Foyer ici? Oui. Foyer Bourguerel? Oui. À côté du foyer Bourguerel? Oui. Donc vous voulez aller là-bas? Oui. Plus tard. On vient ici, on fait nos épreuves ici, et puis après, s'il y a une place qui se libère,
On ira dans un pavillon. Comment vous avez annoncé à vos parents alors? Ah bah moi j'ai dit... J'ai dit... Que j'ai rencontré une fille. À ma mère d'abord en premier. Après à mon père et à ma sœur. Et puis ça s'est passé. Et comment ils ont réagi? Ils ont bien réagi. Et je suis fidèle maintenant. Parce que, ouais, bon, ok. Avant, j'allais à droite et à gauche. Tu changeais de partenaire souvent avant? Ouais. Waouh! Je draguais. Mais tu dis tout à l'heure que t'es timide. T'étais timide. C'est quoi ça? C'est bizarre. Hein? C'est bizarre, d'accord. Ouais. Et toi, Jennifer, comment t'as annoncé à tes parents? Moi, je ne souviens plus très bien, moi. Ou c'est ça, oui, tu veux pas dire? Moi, ça y est. Ah ouais? Ça y est. Mais c'était pas dur? Mais non. Il n'y avait pas de problème? Non. Non. En fait, j'avais des sentiments pour une autre fille. Oui. Elle à sa meilleure amie. Elle m'a recalé tout de suite. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par recalé? Elle m'a dit avant. Avant. Donc elle t'a rejeté? Oui. En fait, là, elle est ma meilleure amie, mais pas c'était ton nom. Elle sort avec À l'époque. À l'époque. Parce que je suis plus jeune. Elle sortait avec. Elle sortait vraiment avec quelqu'un. Elle est en fauteuil aussi? Hein? Elle est en fauteuil aussi, ta meilleure amie? J'ai pas compris. Elle est en fauteuil? Oui, elle est en fauteuil. Je la connais depuis l'âge de 3 ans, moi. D'accord. Et on a le même âge. Bah, moi aussi. Et après? Elle n'a pas voulu revenir à Thomas. Non. Du coup, elle est avec son amoureux actuellement aussi. Ça fait moins longtemps, mais ils sont ensemble. Ils sont dans leur appartement. Voilà. Ils vivent en appartement tous les deux. Ensemble. Elle va prendre une demi-heure déjà, elle essaie de vivre ensemble. Hein? Ça ferait bien. Ah, c'est notre première étape, peut-être. C'est notre premier but. Après, on verra après. Oui. Mais là, vous vivez déjà ensemble, là, au Fou et Bourgarel. Oui, ça, c'est une expérience pour nous. Parce qu'on ne sait pas quand les habitudes de l'un et de l'autre. Parce qu'on ne vit pas 24 heures sur 24 habituellement. Et là, on découvre les habitudes de chacun. Et là, ça fait combien de semaines que vous êtes là? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Et pour vous, ça suffit pour voir un peu comment ça fait de vivre ensemble? Un peu plus, je dirais. Hein? Pour moi, je dirais un peu plus. Il faudrait voir un mois de plus, mais on a notre bilan le 30 novembre. On a un bilan avec notre coordinatrice des appartements à Pierre qui viennent nous chercher. En camion. En master. Ouais, en camion. Et après, on a le bilan avec la directrice Martine.
Et là, on va voir ce qu'elle en pense. Et on va dire ce qu'on... On peut revenir l'année prochaine ou faire être sur liste d'attente.